Alors, avant que la vidéo commence, le véhicule que vous allez voir au début de la vidéo, c'est pas mon véhicule personnel, mais une duplication. Juste avant de vous présenter la vidéo en live, j'ai testé si le glitch fonctionnait toujours, et il fonctionne toujours. Et du coup, c'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, je n'ai pas deux véhicules, parce que en fait, le véhicule que j'ai dupliqué à la fin, c'est le véhicule que j'ai dupliqué. Mais j'avais pas mon véhicule personnel, c'est pour ça qu'à la fin j'ai pas eu deux véhicules, mais seulement le véhicule que j'ai dupliqué. Alors ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous arnaquer, le glitch que vous allez voir juste après fonctionne bien. Et en tout cas, moi je vous souhaite un bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Shawky, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors comme vous avez peut-être pu le voir au titre, je vais vous présenter à nouveau un glitch d'argent en illimité. Alors c'est exactement le même glitch que je vous ai présenté hier, sauf que cette fois-ci, je vais vous le présenter en live, vu que la plupart d'entre vous, vous avez dit que le glitch avait été patché, ou soit qu'il ne fonctionnait pas. Du coup on va directement commencer. Comme véhicule, j'ai le D-Class 1er, c'est un véhicule de la catégorie berline et c'est une catégorie que je vous conseille fortement pour réaliser ce glitch d'argent en illimité. Une fois que vous avez un véhicule de la rue de la catégorie berline, vous allez aller le customiser au maximum au Los Santos Custom, et une fois que vous avez fait ceci, comme apparition, vous allez mettre dernière position. Une fois que vous respectez toutes ces conditions, vous allez appuyer sur Start, vous allez aller dans En ligne, Activité, Jouer Activité, Créer par Rockstar, Course, et là vous allez lancer la course Vidange. Donc il faut que je la retrouve, elle est où? Elle doit être par là, voilà, Vidange. Elle est juste ici. Donc pendant ce temps, je vais vous inviter à me rejoindre sur Twitter, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Une fois dans les paramètres, vous allez mettre type de salon privé, comme ça personne ne vous dérange. Ensuite dans course, vous laissez comme ça, donc standard ou comme vous voulez. Nombre de tours, vous laissez comme c'est. Et ensuite comme classe, vous allez venir prendre la catégorie berline ou la catégorie que vous avez pris pour votre véhicule. Une fois ceci réalisé, vous allez lancer la course. Donc voilà, je viens juste de la lancer. Dans la description de la vidéo, vous pourrez également retrouver le lien de ma chaîne communautaire. C'est une chaîne communautaire qui est dédiée au glitch. Et du coup, je vous invite à venir vous abonner. Donc là, vous prenez le véhicule que vous voulez faire avec le glitch d'argent. Donc là, on attend juste que la course se lance. Alors si le glitch ne fonctionne pas après avoir fait exactement la même manip que moi et après avoir regardé cette vidéo, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit c'est vous qui ne réalisez pas bien la manip, ou soit le glitch a été patché après que ma vidéo a été mise en ligne. Donc là on va se diriger au Los Santos Custom. Alors je viens juste de me tromper, le Los Santos est ici. Donc là vous rentrez, vous prenez votre téléphone, vous allez dans les activités, vous appuyez sur carré. Vous attendez pour être sûr que la porte du garage se ferme et là vous quittez l'activité. Si tout se passe bien, quand vous allez respawn, votre véhicule va être avec vous. Et donc là regardez, le véhicule a spawn avec moi. Et du coup, là vous pouvez aller le revendre. Malheureusement pour ce glitch, il n'y a pas de bypass. Donc là regardez, je vais rentrer à l'intérieur du Los Santos Custom. Donc là, regardez, c'est bien écrit D-Class 1er de la catégorie berline. Et là, je vais sur vendre. Et là, je vais vendre mon véhicule 101 000 $. En tout cas, j'espère que ce glitch vous aura plu. Et surtout, que ça vous a fait plaisir que je vous représente ce glitch, car il n'a pas été patché. Nous, on se retrouve tout à l'heure. Allez, ciao!